Salut à tous, c'est Isaac Frostify. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve en Vigipirate. Nous sommes avec l'armée. Donc voilà, on est quatre. On va patrouiller à quatre aujourd'hui. Voilà, les patrouilles de base, quoi. À quatre personnes, équipées d'un fusil d'assaut. Donc écoutez, on se retrouve. Alors tout d'abord, voilà, j'étais pas là pendant 2 semaines. Enfin, j'ai pas pu sortir de vidéo pendant 2 semaines. Parce que vraiment j'ai pas j'ai déjà de un j'ai pas eu le temps, j'ai vraiment pas eu le temps de sortir des vidéos. Et aussi deuxièmement, GTA, voilà, avec leur mise à jour, franchement ils font chier. Écoutez bien Rockstar, nous sur PC on veut plus de mise à jour, on s'en fiche royalement du multijoueur, d'accord? On a des mods, c'est bon, on s'en fout du multijoueur. Donc arrêtez de sortir les mises à jour parce que nous ça nous complique la tâche. Après on est obligé de remodeler le jeu et c'est casse-tête, ça casse la tête, ok? Donc voilà, c'est tout ce que si Rockstar vous m'entendez, voilà, retenez ça, d'accord? Bref, nous on est parti, on va patrouiller à 4, et c'est parti, c'est parti. Voilà. Alors attendez, juste avant, je vais me mettre en condition, c'est-à-dire qu'on va avoir la police avec nous. Hein, au cas où ça déborde, on va quand même appeler la police grâce à ça. Ok, nickel. Bon c'est bon. On est parti, on peut y aller. C'est parti. Allez les collègues, on monte. Allez, allez, on y va. Ok, allez-y. Allez-y les gars. Allez, allez. Bon, on nous a signalé en tout cas qu'il y avait quelque chose de pas net. Qui se passait quelque part, hein. Je sais pas moi. Des gangs qui seraient rassemblés avec... Voilà, des choses vraiment dangereuses, donc on va aller voir tout ça. Par contre, nous on est obligé d'attendre le feu rouge, ça c'est un petit peu compliqué. Étant donné qu'on n'a pas de gyro sur ce véhicule. Mais bon, allez, on va dire que nous on est quand même en mission urgente, hein, on va y aller, hein. C'est bon quoi, je vais pas m'arrêter à tous les feux rouges alors que il y a une voilà, enfin voilà quoi, on nous a appelé sur une zone pour qu'on surveille si c'est réellement le cas, s'il y a réellement des individus dangereux. On va voir ça tout de suite. Voilà, alors voyons voir. Ah non, c'est calme, ça m'a... d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. Bon, très bien, on va appeler la police, hein. On va appeler la police en renfort. Ah ouais, d'accord, on se fait accueillir comme ça, nous. On se fait accueillir comme ça, nous. Bon, c'est parti. On va sortir les armes et c'est parti. Ok, ça commence. Bon, vous allez vous calmer, hein, ça suffit. Oh là 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 là. Ah ouais, ils sont massifs, ils sont massifs. Ouh là là, ouh là là, ils sont massifs, hein. Ils sont massifs, ils sont massifs. Bon, c'est bon, vous allez vous calmer. Et ça tire de partout en plus. On va appeler la BRI, on va appeler la BRI. Putain, putain. Non, 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 là c'est vraiment dangereux, c'est vraiment dangereux. Je vais partir en retraite. C'est trop dangereux. Je pars en retraite, je recule. Je recule vraiment. Parce que là c'est vraiment trop dangereux. Regardez ma vie, j'ai failli crever là. Bon, alors du coup je vais appeler la BRI. BRI s'il vous plaît, BRI sur zone. On est attaqué là lourdement par des individus assez déterminés s'il vous plaît. Donc est-ce que la BRI va arriver? Ok les collègues, je vous laisse gérer la situation s'il vous plaît. Franchement, voilà, c'est galère de gérer ce genre de situation. Ok, je les vois là, ils sont là. Bon, regardez, on a la BRI, la BRI là, la BRI là. Je sais pas, vous les voyez pas d'ici, mais moi je les vois, ils sont là, c'est eux là devant là. Oh putain, attendez, attendez, je suis en train de me faire sauvagement tirer dessus là. Regardez, c'est eux la BRI là, vous les voyez pas? Regardez, c'est eux là. Donc voilà. Bon, du coup, je vais me mettre en vue première personne là pour bien se concentrer. Regardez, là on a la BRI, ils sont là. Voilà, ils nous épaulent, ils nous aident. Donc c'est génial. Alors, est-ce que ces individus ont été abattus? Putain, c'est pas possible. Oh, c'est grave. Bon, un sacré bordel en tout cas. Sacré, sacré bordel. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non, c'est pas réglé du tout. C'est vraiment pas réglé. J'ai l'impression qu'ils viennent de tous les côtés. Donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de voir ça. En tout cas,
On va essayer de rester calme, de garder notre calme. Ok. On a pas mal fait le ménage quand même. Alors, est-ce qu'il y en a de ce côté-là? Ça m'a l'air d'être calme. Hein, mais... Ah non, 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 il y en a encore. Il y en a encore, regardez. Il y en a encore. Le ménage n'a pas été fait. Il y en a encore, il y a réellement du danger proche là. Bon, moi, voilà, je prends beaucoup de risques. J'ai. Voilà, c'est très dangereux. La vie peut très vite partir. Donc, on essaye de faire au mieux. Oh putain, regardez-lui là, regardez ce mec. Regardez-moi ce mec. Il est au sniper en plus, carrément. Et il est monté, il est malin celui-là. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, t'es malin comme ça, toi. Bon, j'ai l'impression que ça vient de partout, hein. C'est compliqué. Allez, on essaie d'avancer, on progresse, les gars. Concentration. Bon, c'est bien, on a la Berry qui nous épaule au moins. Allez. Ok, il y en a par là, il y en a par là. Il y en a par là. Putain, c'est pas fini du coup. C'est vraiment dangereux tout ça. Hein. Bon, dites-moi qu'il n'y en a plus, s'il vous plaît. Dites-moi qu'il n'y en a plus. Hein, dites-moi que je vais pas me faire canarder là. En m'approchant. Allez, allez. Bon. C'est bon, je crois que voilà, la zone a été un petit peu calmée là. Bon bah bien joué mes collègues. Voilà, bon de toute façon on a pu avoir l'aide de la police, hein, on a eu l'aide de la BRI. Donc excellent travail, bravo à vous. Vous avez vraiment fait preuve d'un très grand courage. Et je vous remercie pour cela. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors. Bon, on va essayer de retrouver notre véhicule, nous. Alors, où est-ce que je l'avais posé déjà? Où est-ce que je l'avais posé? Ouais, je crois que c'était vers là. Il me semble. Voilà, il est là, le véhicule. Super. Allez, nous, on retourne à notre véhicule. Et voilà. On part bah, pour de la surveillance, de la patrouille. Bah, dis donc, en tout cas, il commence fort cet épisode, hein, il commence fort. Il commence super fort. Sinon, vous inquiétez pas, pour ceux qui adorent la série Isaac V, tout cela arrive, tout cela revient, tout cela revient. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. On va se barrer de là, les gars. Qui ose nous tirer dessus, là? Ah ouais. Bon, là, on va laisser la police se charger du reste, parce que là, ça devient compliqué, là, franchement. C'est bon, la police est là, hein, et on va laisser s'en charger. Oh là 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 là. Regardez notre véhicule, il a été criblé là. Bon, qu'est-ce qu'on a comme intervention? On a un prisonnier qui s'est échappé, ouais, mais il est où? Voilà, ouais, non, on va éviter. Hein. On va laisser. C'est bon, c'est dans la zone là où il y avait. Là où il y avait la police. Donc on va les laisser faire ça. Là, c'est plus de notre ressort tout ça. Hein. C'est plus du tout de notre ressort. C'est plus de notre sort. Ok, on a eu un petit crash de LSPD, comme d'habitude, hein, pour pas changer. Bien évidemment. On a eu un petit crash. Bon, on continue notre surveillance, nous. Ouais, rien à signaler pour l'instant. Rien à signaler. Bon, en tout cas, voilà, comme je le dis à chaque fois, je vais essayer d'être actif au niveau des vidéos, je vais faire ce que je peux. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour être prévenu de chaque sortie de mes vidéos. Voilà. Comme ça, vous serez prévenu de chaque sortie de mes vidéos et bah, là, vous pourrez pas nous rater, quoi. Donc ça, c'est cool. Alors, on va voir ce qui se passe un petit peu dans ces zones-là. C'est possible qu'il y ait des cambriolages, des trucs comme ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, de la surveillance. La surveillance. C'est tout ce qu'on fait. On fait de la surveillance.
Donc là, quand même, voilà. Je vous ai fourni de l'action en début d'épisode. Pour ceux qui adorent vraiment l'action, je vous en ai fourni. Mais maintenant, on va retourner à la surveillance. On va regarder ce qui se passe. Hein, tout peut arriver dans cette ville, hein, vous le savez. Vous le savez très très bien que pas mal de choses peuvent arriver. Choses très très graves. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri. Et puis voilà quoi. Ah, regardez, on a un petit type qui promène son chien. Ça tombe bien parce que dans le prochain Isaac Vie, je vais devoir choisir un animal de compagnie. Alors. Donc on va se mettre un peu en vue première personne. Waouh, putain, mais regardez-moi ce magnifique intérieur. Regarde, même mes collègues sont aussi d'accord avec moi, hein, n'est-ce pas les gars? Hein, vous êtes d'accord, hein, il est magnifique cet intérieur. Franchement. C'est une tuerie. Alors, on va rester un petit peu en vue première personne. D'ailleurs, ouais, faudrait que je refasse réellement une vidéo en vue première personne, hein. Faudrait que j'en refasse une. Bon, on surveille, alors. Rien d'alarmant, là. Dans la zone, rien d'alarmant. Ok. On continue. Alors, il y a quoi ici, là? Qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Tiens, pourquoi ils nous prennent en photo? Moi, j'aime pas qu'on me prenne en photo comme ça. Allez, reviens là, toi. Oh, reviens là, reviens là. Pourquoi tu me prends en photo? Je peux savoir? Ah, d'accord. Oh! Ok, il est armé, il est armé, il est armé. Il avait une arme là sur lui, j'ai pas compris. Bon, c'est bon, t'es calmé là, hein? T'es calmé là, hein? T'es calmé là, hein? Il est calmé, c'est bon? J'ai pas compris lui, c'était quoi son problème là? En plus, à cause de lui, j'ai plus mon tipi, j'ai plus mon béret. À cause de cet individu là, hein? À cause de lui. Oh là là, bref. Bon écoutez, c'était une petite vidéo, hein, un petit peu courte, mais bon, c'était des petites patrouilles, enfin une petite patrouille en Vigipirate, hein, on en refera d'autres, hein, si vous me laissez pas mal de pouces bleus, c'est que vous avez aimé ce genre de vidéo, et on en refera d'autres du coup, et nous on se retrouve très très vite pour un Isaac V ou de la police, on verra bien, en tout cas, ou de la course de voiture. Bref, en tout cas, moi je vous dis portez-vous bien, et bah bye bye, hein, à la prochaine, hein. Allez, et bonne rentrée à ceux qui reprennent les cours. Allez, bye bye.